Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous fêtons en même temps que ce dimanche la fête de Saint-Jacques, apôtre. Et avec Saint-Jacques, nous fêtons un saint que nous connaissons bien puisque nous le gardons comme protecteur dans nos voitures ou parfois sur nos porte-clés. Il s'agit de Saint-Christophe. Nous avons tous, je pense, un médaillon avec l'assurance qu'il nous protégera dans nos voyages. La vie de Saint Christophe est peu connue, du moins on connaît bien sûr l'épisode fameux qui lui a donné son nom de Christophoros ou Foraine, mais sa vie sinon est moins connue. C'est un saint du IIIe siècle, un cananéen dit-on, qui a été rejeté et qui vivait probablement dans l'actuelle Turquie. C'est un géant, c'est un colosse, il dépasse tout le monde d'au moins une tête, il est très fort. Et il ne s'appelle pas encore Christophe, mais son nom c'est Réprouvé. Quel nom, n'est-ce pas? Nom qui n'est pas prédestiné pour le coup, mais il s'appelle ainsi Réprouvé, et vu sa taille, vu sa force, il décide de se mettre au service du roi le plus puissant. Il a donc l'ambition de servir le roi le plus fort, le plus grand de la terre. Il le cherche, et croyant l'avoir trouvé dans un roi, disons plus ou moins catholique, il se met à son service. Et un jour qu'il sert le roi, il y a un jongleur qui vient faire, n'est-ce pas, divertissement auprès du roi, et ce jongleur invoque le diable. Et à ce moment-là, le roi puissant, entendant le mot « diable », se signe par crainte du diable. Alors Réprouvé, qui n'est pas encore Christophe, se dit « mais si ce roi a peur du diable, c'est qu'il n'est pas le plus puissant, et qu'il y a plus puissant que ce roi, c'est le diable. » Alors il quitte ce roi et cherche le diable. Il part donc dans des contrées à la recherche de ce roi tout-puissant qu'on appelle le diable. Et voilà que dans le désert, il croise une foule, enfin disons quelques soldats, dont l'un lui apparaît féroce et méchant. Et ce soldat va voir Réprouvé et lui dit « Je suis celui que tu cherches ». Alors, ayant trouvé le diable sous l'apparence de ce soldat, Christophe, Réprouvé, n'est-ce pas, se met à son service. Et voilà qu'un jour, il passe, lui et son maître, devant un crucifix. Et il voit le diable prendre la fuite en voyant le crucifix. Alors, Réprouvé se dit, ce n'est pas possible. Je croyais que le diable était le roi le plus puissant, mais visiblement, il y a encore plus puissant. Si le diable a peur de ce crucifix, c'est que cet homme sur la croix doit être tout puissant. Il cherche alors notre Seigneur Jésus-Christ, le crucifié, celui qui a fait fuir le diable. Il le cherche partout et ne le trouve que dans la bouche d'un ermite. Il s'approche de cet ermite qui lui enseigne la foi et lui dit « Ce roi tout-puissant que je ne peux pas te montrer parce qu'il est invisible et remonté au ciel, te commande de beaucoup jeûner et de prier. » Alors Réprouvé, c'est encore son nom, Réprouvé se dit « Jeûner avec ma force, avec ma taille, c'est impossible, je ne peux pas. » Prier, on ne m'a jamais appris, j'en suis incapable. Alors l'ermite lui dit, c'est simple, tu vas faire un acte de charité habituellement et tu te mettras au bord de ce fleuve qui est tumultueux et dangereux et vu ta taille et ta force, tu aideras avec ton bâton à faire passer les gens qui veulent aller de l'autre côté. Et c'est ainsi que, sous la motion de cet ermite, Réprouvé fait passer le fleuve. Et voilà qu'un jour, il est dans sa petite cabane, au bord du fleuve, et il entend une voix d'enfant qui l'appelle. Il sort une première fois, personne. Il rentre dans sa cabane et entend une deuxième fois la voix de l'enfant. Il sort donc une deuxième fois et ne trouve personne. Ce n'est que la troisième fois, en entendant à nouveau cette voix, qu'il sort et voit ce petit enfant qui lui demande à traverser. Ce n'est qu'un jeu d'enfant, pour l'ainsi dire, n'est-ce pas, pour cet homme colosse. Il prend donc l'enfant sur ses épaules, s'arme de son bâton pour rester stable et traverse le fleuve. Et vous connaissez à ce moment-là l'histoire. Plus il traverse le fleuve, plus l'enfant lui semble lourd, au point que Christophe se demande s'il arrivera jusqu'à l'autre côté, c'est-à-dire jusqu'à l'autre berge. Il y arrive par miracle, il dépose l'enfant sur la berge et il lui dit « Tu m'as tant pesé sur mes épaules que si j'avais le monde entier sur moi, je crois que je n'aurais pas eu plus lourd. » Et alors l'enfant lui dit « Mais tu as eu plus que le monde sur tes épaules, tu as eu le Créateur du monde, car je suis le Christ que tu veux servir. » Et pour te le prouver,
Eh bien, quand tu retraverseras le fleuve et retourneras dans ta petite maison, tu planteras ton bâton à l'entrée de la maison et tu verras ce qui arrivera. Et l'enfant disparaît. Réprouvé, traverse à nouveau le fleuve, sans aucun poids sur ses épaules, arrive à sa maison et plante là le bâton. Et le lendemain matin, lorsqu'il sort de sa cahute, il voit le bâton fleuri et sur ce bâton ont poussé des dattes. Alors il est totalement converti, et tellement converti qu'il abandonne son poste et décide de se rendre en Lycie, c'est-à-dire au sud de la Turquie actuelle, pour convertir les âmes au Christ. Il obtient là un miracle, premier miracle, le don de la langue, puisqu'il ne connaissait pas la langue de cette contrée. Le bon Dieu lui fait le don de la parler couramment. Il apprend aussi, comme miraculeusement, à prier, et là il cherche à convertir. Et une fois qu'il se fait d'ailleurs gifler par un juge qui ne veut pas entendre parler de notre Seigneur Jésus-Christ, il plante à nouveau son bâton devant le juge et le bâton fleurit aussitôt, reproduisant le miracle que Christophe avait eu une première fois. Et c'est à ce moment-là, pour bien montrer qu'il est disciple du Christ, qu'il se fait appeler Christophe, qu'il s'auto-dénomme Christophe. En réalité, je suis Christophe parce que j'ai eu le privilège de porter le Christ sur mes épaules. Il prêche tant et si bien qu'on décide de le tuer, puisque sa prédication gêne. Le roi de la contrée donc décide de lui faire souffrir toutes sortes de martyrs, mais rien n'entame la force du colosse, mais aussi les miracles de notre Seigneur sont là pour le protéger. On ira même jusqu'à, devant le roi d'ailleurs, qui l'insulte, jusqu'à lui lancer 400 flèches, dit-on, n'est-ce pas, sur son corps. Aucune ne l'atteindra, s'arrêtant toute avant, sauf une qui fera demi-tour et ira se planter dans l'œil du roi qui avait insulté Christophe. Malheureusement, n'est-ce pas, souvent ces impies devant tant de miracles ne fléchissent pas. Et pourtant Christophe lui dit, demain, au roi, demain ce sera l'heure de ma mort. Eh bien, quand je serai mort, tu prendras de mon sang, tu en feras de la boue, tu la mettras sur ton œil et tu guériras. Et le lendemain, en effet, Christophe est décapité, il meurt, décapité, martyr. Et le roi prend du sang, obéit, n'est-ce pas, prend du sang et son œil est guéri. Il se convertit et ordonne de convertir toute sa contrée et même ordonne que jamais le nom du Seigneur ne soit bafoué et que même le nom de Christophe ne soit jamais bafoué dans cette contrée. Voilà, mes bien chers frères, l'histoire de ce saint que nous vénérons tant et qui est invoqué contre les maladies et contre les voyages. Demandons-lui trois grâces, justement, aujourd'hui, dans nos temps si troublés. Demandons-lui la grâce d'avoir l'honneur et surtout la fierté de servir le roi des rois. Nous sommes chrétiens et nous servons le plus grand des rois. Même si personne ne le voit, il est maître des cieux et maître de la terre. Il rayonne et gouverne tout et rien n'échappe à son gouvernement. Soyons donc fiers d'être à son service et si nous n'y sommes pas encore entièrement, bien mettons-nous-y totalement par la vertu et la prière. C'est la première grâce à demander à saint Christophe, la joie et l'honneur d'être au service du Christ et du Christ roi. La deuxième grâce qu'il nous faut lui demander, c'est peut-être de nous préserver de toutes sortes de maladies. Nous savons, ou nous ne savons pas, du moins, ce qui court aujourd'hui comme maladie. On les appelle de tous les noms et on n'est toujours pas capable de les décrire. Mais enfin, plus que jamais, nous pouvons lui demander cette protection. Mais la pire des maladies, ça reste le péché, mes bien chers frères. La pire des maladies, ce n'est pas la maladie du corps, c'est la maladie de l'âme. Et s'il nous faut demander une protection toute particulière, c'est de guérir du péché. Et enfin, la troisième grâce que nous pouvons lui demander, puisqu'il est le patron des voyageurs, eh bien, c'est qu'il nous donne cette grâce de traverser le monde tumultueux dans lequel nous vivons pour nous rendre de l'autre côté de la berge, c'est-à-dire pour y mourir paisiblement et retrouver le ciel qui est la rive vers laquelle nous voyageons ici-bas. Nous ne sommes pas de ceux qui cherchent à rester sur la terre. Notre voyage n'est pas un confort ici-bas. Et tant mieux si les événements d'aujourd'hui nous rappellent cette vérité, cette bonne vérité. Demandons-lui donc de traverser ce monde sans craindre ce que le monde peut nous faire. Le monde peut tout sur notre corps, mais cela n'est pas grave. Il ne peut rien sur notre âme. Le monde, tout comme le démon, n'a pas de pouvoir sur notre âme. Alors demandons à saint Christophe qu'il nous donne de
d'être de saints voyageurs ici-bas et de ne pas nous laisser, avoir par toutes les sirènes du monde, et quelles qu'elles soient et dans quelque sens qu'elles chantent, n'est-ce pas ? Puisque la seule chose qui nous importe, c'est d'arriver à bon port. Non pas forcément après une vie de 90 ans, mais quand Dieu voudra, puisque Dieu seul décide de l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.